كأساتذة مناش معنيين بالمادة 51 التي تنص على شغل المناصب العليا في الدولة، وأن يكون الإنسان باحثا أو أستاذا، هذا مش منصب، سي با ان بوست بوليتيك، سي ان بوست دو ريشيرش، هذا ما فيه أي انعكاس على كون الأساتذة الذين عندهم جنسية أخرى من حقهم أن يدرسوا في الجامعة الجزائر، بدليل أننا نجلب حتى الأساتذة الأجانب qui n'ont pas de nationalité algérienne. Des Français, des Américains, des Anglais peuvent venir, peuvent enseigner, et ils ont enseigné pendant des années en Algérie. Donc il n'y a aucun problème pour qu'un enseignant de double nationalité puisse enseigner chez nous. Parce qu'enseigner ou la fête de l'Algérie, ce n'est pas un poste politique supérieur. Il y a une Thmania, il y a Shanghai, il y a une Espagne, il y a une France, il y a une Allemagne. Il y a à peu près 8 organismes ou 9, il y a 8 à ma connaissance, qui classent les universités. Chaque organisme a des critères tels. Lakin, le dénominateur commun de ces organismes, c'est que la finalité du classement, ce n'est pas vraiment une finalité scientifique, c'est une finalité plutôt commerciale. C'est pour permettre à telle ou telle université d'avoir des rentrées d'argent, parce que généralement, c'est des universités privées qui sont les mieux classées, où les yahedfou, باش يبيعوا السلعه نتاعهم، باش يبيعوا المنتوج تاعهم، لو برودوي لي ديبلومي. يا ان كوتي كوميرسيال تري فلاغران يعني.